Gracias a todos y todas por la presencia. Vamos a dar inicio a la conferencia de nuestro aniversario del SICP. A ver si los compañeros que están ahí en el lunch si pueden arrimarse. Entonces, agradecer también a quienes me acompañan acá en la mesa, profesor Georges Galliard, Jacqueline Lafitte y Dora Mossetti, quienes vamos a estar trabajando acá en equipo para la operación de nuestra conferencia, que va a ser brindada por el profesor Georges Galliard. Voy a hacer ahora una pequeña introducción al profesor. Georges Galliard, profesor emérito de la Universidad de Lyon 2, en Francia. Fue director del Departamento de Formación en Situación Profesional de 2012 a 2018. Responsable del dispositivo Formación a partir de la práctica desde 2007. Responsable del Diploma Universitario de Análisis de la Práctica. Y responsable de la Red Internacional Interuniversitaria Grupo y Vínculos Intersubjetivos. Es autor de diversos artículos, libros y capítulos de libros, un currículum muy extenso, lo cual yo preferí concentrarme en estas pequeñas líneas. Entonces, este es un evento que fue, la verdad que fue una enorme aventura poder traer al profesor Galliard y un esfuerzo interinstitucional de la cual estamos participando la Facultad de Psicología con el Centro de Investigación Clínica en Psicología, el SICP, la Asociación de Psicopatología y Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia, APIA, y la Asociación Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica, AUPCD. Vamos a trabajar, primeramente el profesor va a hacer su presentación. Nosotros vamos a, tenemos la traducción de la presentación en un texto que vamos a proyectar acá atrás, con la traducción de Jacqueline Lafitte. Y enseguida vamos a tener ahí un pequeño espacio de intercambio con preguntas, que también vamos a contar con la traducción de Dora y Jacqueline. Así que bueno, paso la palabra, Georges, merci beaucoup, y bueno, una buena conferencia para todos. Yeah, bonsoir. Se dice buenas tardes. No sé, buenas tardes y después buenas noches. Ya estamos en un horario que se puede considerar ambas posibilidades. Entonces, je vais parler en français, mon espagnol n'est pas suffisant. Va a hablar en francés porque su español no es lo suficientemente bueno. Donc, je vous prie de m'excuser d'avance de l'effort que ça va vous demander d'écouter une conférence en français et de devoir la lire en espagnol. Pide por eso disculpas por el esfuerzo que le va a corresponder a ustedes escucharlo hablar en francés y leer el texto en español. Et bien entendu, je suis honoré d'être en lien avec juste ce passage généalogique dans votre institution, puisque, si j'ai bien compris, vous avez fêté tous les directeurs qui ont contribué au travail du centre de recherche, et donc c'est vous qui actuellement prenez la relève. Donc merci à Daniela Villa de cette invitation. Bien sûr, vous l'avez dit, en articulation étroite avec Jacqueline Lafitte, la UPCB, et Dora Mossetti pour l'APIA. Por supuesto que para él es un honor estar aquí en este momento donde, por lo que él entendió, se conmemora un periodo, ¿no? Donde profesionales han dedicado años a su tarea. Y agradece también mucho a Daniel por organizar este evento y a nosotras.
Alors, vous avez vu le texte de mon intervention. Le titre, c'est, alors en espagnol, comment se dit ça? Entonces, si usted ve el título, la violencia y el trabajo de cultura. El título es violencia y trabajo de cultura. Con un sous-titre, comment se dit ça? Con el subtítulo. Subtítulo. Poner a trabajar lo femenino de ligazón. Que dice poner a trabajar lo femenino de ligazón. Se dice este trabajo en los equipos profesionales. Para hablar del trabajo en los equipos de profesionales. J'essaie de faire un effort en español. Donc en español. Podría haberlo traducido en francés, por la duda. Entonces, me voy a leer la conferencia y ustedes pueden leer el texto. Y si algunas cosas no son claras, puede preguntar sobre él. La question de la violence, elle constitue une dynamique clé avec laquelle chaque groupe humain et chaque sujet se doit de composer. Et c'est déjà un postulat. Lorsqu'on évoque le concept de violence, il est de coutume de préciser qu'il dérive de la racine bios. Bios, c'est la vie. Donc, violence, vous voyez, c'est un lien direct avec la vie. Alors, je ne sais pas si mes commentaires, en plus du texte. Bon. Violencia, usted ve que tiene este vínculo directo con la vida. Et la misma raíz. Nous avons un livre mythique qui nous raconte le mythe de la création. Et. Déjà, vous voyez, au niveau du livre de la Genèse et le livre des commencements, on a affaire à un mythe qui est le mythe de Caïn et Abel. Et bien que ça nous rappelle déjà dans ce texte originel, que depuis l'aube de l'humanité, le consentement à la présence du semblable n'est pas un acquis, mais une conquête. L'histoire nous apprend que cette conquête, elle n'est jamais pérenne. Et on peut vérifier facilement comment les civilisations traversent cycliquement des moments de pure barbarie. Et vous voyez que le récent XXe siècle et l'actualité en Europe de la guerre en Ukraine nous permettent de savoir que ce déchaînement de barbarie, ne se joue pas ailleurs, en quelques contrées lointaines où nous pourrions projeter le négatif radical, mais qu'il nous concerne tous, chacun de nous, au plus près. À ces déchaînements de violence font suite des temps de ressaisie humanisante sous le sceau d'un nunca camas, puisque c'est la terminologie de, en français, plus jamais ça. En l'espace de quelques décennies, le renoncement au meurtre, voyez, ce sursaut de prise en compte de l'altérité, ce travail d'inclusion sous le registre des Ross, il se délie à son tour. Les nouvelles générations, donc, chaque nouvelle génération est aux prises avec de nouvelles données sociales et ces nouvelles générations ne veulent rapidement plus rien savoir des limitations qui sont issues des alliances construites sur les ruines de l'histoire qui les ont précédées. Vous voyez que le nunca más, ça fait suite à un déchaînement de la violence, donc à une destruction, et c'est sur cette ruine de l'histoire que nous construisons des institutions. Chaque sujet exige de participer à la marche du monde et de poser, plus ou moins, sa marque, sans être encombré par le poids du passé et le poids de la généalogie. Et il cède alors cycliquement à la tentation de l'auto-engendrement, à la tentation de la table rase, tabula rasa. Il devient simultanément sourd aux toujours nouvelles formes qui sont prises par Thanatos. Thanatos, c'est le mortifère et le meurtrier. Et aux actualisations de la barbarie, voire à son retour à grande échelle. Nous sommes, me disent certains, au seuil, effectivement, d'une prochaine guerre qui pourrait être une guerre totale. Algunos dicen que estamos muy cercanos a una próxima guerra que podría ser una guerra total. Bon, je vais essayer de ne pas trop plomber l'atmosphère ce soir, quand même. Va a intentar no deprimir demasiado. Gracias. Alors, pour nous mettre en position de penser autour de cette notion de violence, il est essentiel de rappeler que face à cette immense question,
nous avons à prendre en compte un double éclairage. Il y a d'une part une référence à la métapsychologie freudienne, c'est-à-dire au nouage entre Eros et Thanatos, entre pulsion de vie et pulsion de mort, pulsion de destruction et pulsion de mort. Et d'autre part, nous avons aussi à prendre en compte la sociologie marxiste, bourdieusienne, et plus près de nous, au travail en Amérique du Sud, de Paulo Freire, et du côté de l'Afrique, du côté de l'international, actuellement d'Achille Mbembe, et aux penseurs de la négritude, dans la mesure où nous sommes aussi dans un continent, un sous-continent, où la question de la négritude a été une question centrale, relativement, bien entendu, à l'esclavage. Et donc, les penseurs de la négritude, ils nous aident à penser la violence des rapports de domination, des rapports d'assujettissement, mais voyez, tout comme la sociologie bourdieusienne, la sociologie marxiste. Si on ne fait pas ça, alors on est toujours en menace que la dynamique soit rabattue en une terrible simplification. C'est une expression de Paul Vaslavich que j'aime bien, c'est-à-dire que nous avons tendance, face à la complexité, de terriblement simplifier. Et simplifier, bien sûr, la complexe dynamique de la violence et de la rabattre sur une de ces scènes. C'est-à-dire soit de la rabattre du côté des rapports socio-historiques de pouvoir et de domination. Vous voyez que dans ce cadrage, il n'est pas possible d'entendre la manière dont les sujets participent activement à ces dynamiques, ou, à contrario, un cadrage qui n'entendrait que la scène psychique, c'est-à-dire l'emprise et l'aliénation psychique, et qui passerait outre aux rapports sociaux et aux dynamiques d'aliénation économique et sociale dont elles sont aussi le lieu. La psyché, qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit de groupe, et le social historique se structurent l'un l'autre, ou on peut dire l'un par l'autre, dans une configuration récursive, c'est-à-dire dans une construction où les sujets fabriquent du corps social, qui fabriquent des sujets, qui fabriquent du corps social, qui fabriquent des sujets, voyez, pour vous donner à entendre cette récursion. La notion de violence, elle recouvre donc une pluralité de sens, et sa perception, sa caractérisation, varie selon les époques. Ce qui est désigné comme violence relève de l'éprouver, éprouver d'un sujet ou éprouver d'un groupe, en corrélation avec les normes sociales qui sont en cours. Et pour s'en convaincre, il suffit d'examiner l'évolution de la manière dont on fabrique les sujets. Un sujet, ça se fabrique. C'est une expression de Pierre Legendre. Les hommes ont longtemps été préparés, par exemple, à verser le sang afin de protéger quelques territoires, voire la mère patrie. Et en faisant ça, vous voyez qu'ils étaient éduqués à être, alors on dit bien sûr des guerriers, mais ça veut dire aussi des meurtriers, dans le cadre de la rythmicité des guerres qui scandait l'histoire des différentes nations. De manière corrélée, il est possible de jeter rétrospectivement un regard sur la condition des femmes, sur celle des minorités sexuelles, des travailleurs pauvres, du statut des enfants, pour réaliser que les rapports d'emprise et les rapports d'assujettissement n'en finissent pas de se modifier. On évoquait dans un séminaire ce matin, non, c'était hier ou ce matin, je ne sais plus, les deux dates pour vous importantes, qui sont donc la date de commémoration de la disparition, de la fin de la dictature, et vous disiez aussi l'autre date importante qui était la date de la journée de la femme, donc quelque chose qui... En un séminario que estuvo dando se recordó como fechas importantes la conmemoración que se hace todos los 20 de mayo con la marcha del silencio y la fecha de la marcha por el feminismo. Vous voyez bien que ça dit bien comment il y a des évolutions radicales dans la structuration sociale, c'est-à-dire dans la fabrique des sujets et dans la fabrique des identifications. Esto es un ejemplo de las alteraciones que podemos observar a partir del proceso de cambio en la sociedad. Je vais revenir au texte. L'histoire peut être considérée donc au prisme de la violence, de l'aliénation et de la domination, et dans la fluctuation du rapport à la figure de l'altérité, et bien entendu du rapport à la figure de ceux qui incarnent ces figures dans un temps donné, et parallèlement du rapport à l'incessant travail d'humanisation, donc au travail de culture dont elle est le lieu.
Travail de culture, c'est l'expression Kulturarbeit chez Freud, qui a été repris et développé par Nathalie Sassmann notamment. Trabajo de cultura es lo mismo que Kulturarbeit, es el mismo término. Alors, on peut rappeler que nos vieilles nations européennes, alors je ne parle pas pour vous, je parle depuis mon point de vue évidemment, elles doivent leur essor économique à la mise en place de la traite négrière, à l'esclavage, c'est-à-dire un système qui pendant des siècles a dénié le statut d'humain à des milliers, des millions de sujets. C'est cette même radicalité qui consiste à supprimer à l'autre son statut d'humain, qui préside à la violence meurtrière des guerres et des massacres. Pour pouvoir tuer un ennemi, il faut au préalable l'inscrire dans la catégorie des hommes tuables. Vous voyez, c'est-à-dire de décréter qu'il y a une catégorie des hommes tuables. Pour ça, il faut décider qu'il existe cette catégorie des hommes qui se peuvent tuer. C'est une expression de Giorgio Agamben. Les génocides et les actes terroristes sont à cet égard paradigmatiques de cette réduction de l'autre. Alors, vous voyez, les nazis, quand il parlait des juifs, il parlait du morceau. Los nazis, cuando se referían a los judíos, hablaban del el pedazo. Au Rwanda, avant le massacre, ils ont catégorisé l'ensemble des gens qui allaient être massacrés comme des cancrelats. Y en el Rwanda, en el antes de la masacre, nombraban a las personas que iban a matar con la palabra de cucarachas. Et bien entendu, Daesh a fait de nous, occidentaux, des infidèles. Mais para Daesh, somos los infieles, como lo dice el texto. La violence, elle interroge donc fondamentalement le statut qui est accordé par le sujet et ou par un groupe social à l'autre, à l'étranger, au non familier. Et vous voyez, en proportion du sentiment de sa propre identité et avec la terreur que cette identité, elle soit altérée, qu'elle soit contaminée et de façon corrélative avec la fragilité des repères identificatoires qui sont offerts par un contexte socio-historique. La question de la violence, elle ouvre donc le champ du même et du différent, de soi et de l'autre, de l'inclusion et de l'exclusion. Elle est en prise directe avec les soubassements archaïques de la psyché, dans le même temps où elle touche à la constitution des groupes sociaux au travers de la limite qui les définit et qui définit dans le même temps l'ailleurs, le dehors, le non-même, l'altérité. Bon, quelques autres repères relativement à ce qu'on peut inclure sous le terme de violence. Je souligne de façon complémentaire que penser la violence qui caractérise la période dans laquelle on se trouve, cela constitue un véritable défi de pensée compte tenu de la complexité, de la multiplicité des dimensions qui sont en jeu et de l'absence de lisibilité des transformations en cours. Vous voyez que dès que le mot violence est prononcé, nous sommes instantanément mobilisés dans nos affects et la raison, elle est mise hors jeu. De façon quasi réflexe, nous sommes tentés de nous placer dans une position de revendication en lien immédiat avec ces violences dont chacun de nous, nous aurions été victimes. Au fil de notre histoire, à partir de ce que l'autre nous a fait, ou à partir de ce que l'autre aurait dû faire et qu'il n'a pas fait. Et que l'autocentration narcissique des sujets est toujours à même d'occulter la violence générée par les multiples liens auxquels chacun de nous participons. Dans un monde massifié, comme le monde actuel, la crainte est celle d'une dédifférenciation, face à laquelle chaque sujet tente de se constituer une place, de se construire une place. Dans le contexte social, alors je vais parler bien entendu là aussi de la France, le chômage est devenu endémique. Et on a du chômage qui persiste envers et contre tout. Ceci pour dire que le monde n'offre plus de perspective de réalisation professionnelle à l'ensemble des sujets qui constituent notamment la France. Et vous voyez que ça présuppose la constitution d'un rapport entre les sujets, ou ça va constituer un rapport entre les sujets sur le mode de la lutte, une lutte de tous contre tous, c'est-à-dire une compétition généralisée, et de Gaulle-Jacques parlait de
la lutte des places, non pas la lutte des classes, mais la lutte des places. La période contemporaine, elle déconstruit le contrat social et le contrat narcissique, donc ces contrats qui ont été des modalités de lien, qui ont été bâties, du moins en Europe, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, en s'adossant aux idéaux qui ont été les idéaux de la résistance et aux multiples mouvements de solidarité auxquels ces contrats ont donné lieu. Bien entendu, ici, il faut que vous conjuguiez la manière dont vous avez vous-même construit vos contrats sociaux et vos contrats narcissiques. Ah, por supuesto que tenemos que conjugar de qué manera nosotros hemos construido este, los contratos sociales en relación a los contratos subjetivos. Une des dynamiques qui est en jeu aujourd'hui, c'est celle d'un monde qui n'en finit pas de produire de l'exclusion. On a affaire à une mutation des arrière-fonds, vous voyez, ces socles subjectifs et sociaux qui servaient de cadre à la construction des sujets et à la mise en place d'un vivre ensemble. Ces cadres, ils ont été délogés de la position silencieuse qu'ils occupaient précédemment et ils ne permettent plus au sujet de trouver des adossements indispensables à ses identifications et à sa construction identitaire. On est là aux prises avec un bouleversement des métacadres, un affaiblissement, voire un effondrement des garants métapsychiques et des garants métasociaux. Vous avez reconnu les terminologies de René Caes et de Touraine. Cet effondrement, il précipite les sujets dans le fantasme d'un retour à un chaos morcelant et dédifférenciateur. Le statut de la vérité, c'est-à-dire le statut d'une vérité suffisamment partagée, d'un consensus qui soit même de faire socle et de permettre la construction du vivre ensemble, tout comme l'appui sur une temporalité qui est vectorisée entre le passé et le futur, ces assurances, actuellement, elles ne sont plus de mise. Quelques repères relativement au fonctionnement psychique. Pour aller plus avant dans cette réflexion, il nous faut ici poser quelques repères relativement au fonctionnement psychique. Plus un sujet s'éprouve dans un sentiment d'insécurité, et plus il régresse vers des modes de fonctionnement archaïques de la psyché. Pour prendre un exemple, on peut prendre l'exemple de la pandémie, qui peut nous aider à entendre cette régression du fonctionnement psychique et de l'éclosion de théories complotistes, voyez, où un certain nombre de gens ont perdu la raison à l'occasion de ces confinements. Les complotistes, il n'y a plus aucun lien entre la réalité et ce qui était mis en, enfin, ce qui était proposé comme explication. C'est-à-dire qu'il y a une mise en doute de toute parole référée, on peut dire, à un socle commun, une vérité partagée, donc on va dire aussi à une approche de la science en tant qu'elle donne une base partagée, et un certain nombre de gens se sont donc réfugiés dans les fake news. C'est-à-dire, vous voyez, ceux qui fonctionnent en vase clos au sein de réseaux sociaux. Et évidemment, tout ça avait la visée de tenir à distance l'angoisse que le spectre d'une mortalité de masse remettait à l'ordre du jour. Au début du Covid, on pensait que le Covid allait être effectivement, allait déclencher une surmortalité au niveau de l'espèce humaine. Pardon. Ces registres, avec Pierre Aulagnier, on peut les caractériser comme étant originaires. Et il radicalise un mouvement où le rapport au monde de l'enfance, donc l'enfant avant le langage, va devoir soit prendre en soi, soit rejeter hors de soi. C'est la manière dont Pierre Aulagnier caractérise l'archaïque. Et pour mieux entendre de ces mouvements, dans un autre champ lexical, je citais dans mon texte le linguiste bienveniste qui éclaire le fondement du lien entre le sujet et l'étranger. Je dois ça à une de mes doctorantes, et il souligne que les termes d'hospitalité, hospes, et d'hostilité, hostis, ont la même racine. C'est-à-dire que vous voyez que hospitalité et hostilité ont la même racine. Ça veut dire qu'on retrouve au cœur de la dynamique entre le sujet et l'autre, on se retrouve à cet endroit-là, vous voyez, et cet autre avec qui il faut sans cesse composer. Celui dont la rencontre suppose la possibilité d'être altéré, c'est-à-dire dès qu'on va rencontrer un autre, on prend le risque d'être altéré par l'altérité de l'autre. Et donc cet autre, c'est le travail, c'est bien la question de comment nous allons accepter de nous identifier
c'est-à-dire de prendre en nous, donc d'accueillir, d'accueillir chez soi, c'est ça l'hospitalité, de l'accueillir dans la rencontre, ou bien celui qu'on va considérer comme devant être tenu hors de soi, être rejeté, être refusé, et ça peut prendre bien sûr l'apparence de l'indifférence ou celle de l'hostilité. Cet autre, il devient alors le lieu de l'exclusion et potentiellement la cible de la violence mortifère et meurtrière. Dans notre quotidien, l'idée de violence, elle est banalement assignée aux agirs destructeurs, à ce qui est éprouvé sous le mode de l'effraction, de l'intrusion traumatique ou de l'abandon, du désinvestissement, du mépris, du rejet, du refus. Vous voyez qu'avec ce registre de la violence, on est dans ce que Pierre Olagnier, à nouveau, désigne comme violence secondaire. D'ailleurs, c'est une violence qui attaque l'altérité, qui déconstruit l'ordre symbolique et qui se développe à partir des excès pulsionnels qui donnent pièce au mortifère. D'un excès de liaison qui mène à la fusion-confusion, donc vous voyez, on peut dire ici à l'emprise incestuelle et incestueuse, à l'excès de déliaison où se décline l'ensemble des figures de la destructivité et du meurtre. Il y a en effet un registre de la violence qui, lui, est instituant et que Pierre Olagnier caractérise comme violence primaire. Cet auteur, elle parle également à cet endroit de violence de l'interprétation. C'est le titre de son maître ouvrage de 1975, pour ceux qui connaissent un peu cette pensée. Cette violence, elle est mise au service de la symbolisation et elle conduit à arrimer le symbolique, le sujet dans le registre du symbolique, et elle contribue à nouer les pulsions. Et les pulsions de vie dans leurs aspects de liaison et d'investissement vont devoir s'intriquer aux pulsions de mort. Chacun de ces deux pôles va limiter l'hégémonie potentielle de l'autre pôle. On est aussi en danger dans un excès de pulsions de vie que dans un excès de pulsions de mort. Ce terme désigne en effet le processus de fabrique des sujets, ce processus qui assigne un sujet dans un nom, dans une place, au sein d'une génération, dans une sexuation et plus largement au sein d'un groupe social. Une telle assignation ne produit de tels effets instituants que parce qu'elle est mise en œuvre dans une relation suffisamment respectueuse du sujet, c'est-à-dire dans une relation où l'ambivalence des mouvements parentaux est suffisamment tempérée, c'est-à-dire où la haine et l'amour sont suffisamment tramés pour ne pas agir à l'insu du parent qui sont, eux, en position d'accueillir un nouveau-né. Ces assignations, elles peuvent être en effet mutilantes ou insuffisantes. Je peux faire référence ici à l'expression de Winnicott sur une mère suffisamment bonne. Acá se puede referir a Winnicott con su expresión de una madre lo suficientemente buena. Et vous voyez qu'à la place, on peut avoir effectivement la catastrophe de l'abandon, c'est dans le texte, merci. C'est-à-dire, vous voyez que l'enfant est dans une position initiale de dépendance absolue, d'une dépendance vitale à l'autre, et à cet endroit-là, il peut être pris dans une position d'abandon, c'est-à-dire ne pas être investi, voire effectivement d'être investi sur le mode meurtrier de la maltraitance ou de la confusion incestuelle, en tout cas négatrice de son altérité. Alors, en appui sur cette différenciation, je peux avancer une hypothèse relativement à la violence qui spécifie notre monde actuel. Les sujets contemporains, ils refusent la violence instituante. Ceci sous le couvert d'une liberté qui est posée comme une valeur absolue, au risque de passer outre au nuage entre le sujet et l'altérité. Et vous voyez que si une telle valeur a été une conquête historique à la suite des philosophes des Lumières, de la Révolution démocratique, elle est de nos jours étroitement corrélée aux extrêmes du libéralisme, là où l'ultra-capitalisme n'en finit pas de dévorer le monde, de détruire le vivant dans un refus de toute limite. Les sujets sont, chacun de nous est aux prises avec la tentation de se passer de l'autre, de le réduire au service de leur propre jouissance, qu'on peut dire jouissance phallique, narcissique, mortifère. Alors, je me demandais si le slogan nombriliste d'une célèbre marque de cosmétiques est arrivé jusqu'à vous. Très bien. Alors, vous voyez qu'il nomme au mieux cette tentation,
parce que je le vaux bien. Donc, vous aurez reconnu une des fortunes, le slogan d'une des fortunes françaises. Con ese eslogan reconocemos una de las grandes fortunas de Francia. Donné comme ça à entendre. Ce que je fais, je vais l'argumenter sous ce registre de « je le vaux bien ». Vous voyez que c'est le primat du nombril. Lo que hago lo voy a argumentar bajo esta frase de « je le valgo ». Bon, merci. Je vais revenir au texte parce que sinon je vais égarer. Vous voyez que ces formulations, elles concernent le sujet contemporain du côté d'une radicalisation des processus auxquels on a affaire. Mais ça permet de leur donner des phrases comme ça, ça permet de donner de la visibilité à ces tentations-là, à ces dérives-là. Le sujet, il se situe sur un gradient entre la prise en compte de l'histoire, avec un grand H, il y a l'histoire qui nous dépasse, et de nos histoires singulières, où nous nous devons à un mouvement d'appropriation de ce qui de cette histoire nous constitue au risque de l'emprise. Et donc, on va osciller entre ce travail de transformation, d'appropriation subjective et un ne rien vouloir savoir de cet héritage, ne rien vouloir savoir de la dette d'altérité dans un refus qui permet au sujet qu'il se donne l'illusion de réinventer le monde sans avoir à le tenir de quelqu'un d'autre. Une telle illusion de participer à la création du monde, elle est bien sûr peu ou prou indispensable à la construction du sentiment de continuité d'existence, pour reprendre là aussi une formule de Winnicott. Et que ce sont les mouvements de création qui nous permettent en tant que sujet de nous éprouver vivants, de nous éprouver dans une puissance d'être. Mais le risque alors, c'est toujours le risque de la clôture narcissique. Là où ces sujets, ils s'expérimentent simultanément dans l'ouverture à l'altérité et dans la capacité de se lier et d'investir de l'autre. Alors, voilà, j'ai posé un bémol. On peut essayer de poursuivre l'exploration de ce qui apparaît comme un des grands syndromes contemporains, la prétention de tout sujet à être tout, une expression de Georges Bataille. Et je souligne à cet endroit-là que la tentation est d'autant plus présente que le sujet, il est menacé de n'être rien. Dès lors qu'il lui faut trouver par lui-même ses propres repères identificatoires à partir duquel il va bricoler de l'identité. Une telle prétention à être tout, elle relève d'une position narcissique, phallique, lorsqu'elle ne se conjugue plus dans un féminin de liaison, dans une ouverture à l'altérité. Elle fait courir le risque de la mise en place d'un monde sans autre, cet autre étant réduit à une fonction utilitaire au service de la jouissance mortifère du sujet. Parmi les mutations en cours qui ont une valeur paradigmatique, on peut mentionner, vous voyez, celle qui permet désormais à un sujet de pouvoir faire fi de sa bisexualité psychique. Donc l'apport freudien, c'est nous sommes tous constitués dans une bipolarité psychique. Ça, c'est le postulat freudien. Está diciendo que según el postulado freudiano, todos estamos constituidos en base a una bipolaridad sexual y psíquica, bisexual. Por lo tanto, Vous voyez que la mutation en cours, donc, que je dis être paradigmatique, c'est le fait que le sujet peut faire fi de ce travail-là, travail relatif à la sexualité psychique, et se réassigner dans sa sexuation sous la revendication qu'il n'aurait pas été incarné dans un corps qui correspondrait à son vécu. Une telle possibilité de changement d'identité sexuée, elle doit tout de même transiter par le social, puisqu'il va bien falloir que à la fois le champ du médical intervienne du côté chimique et chirurgical pour modifier les équilibres biologiques du corps. Et vous voyez que la tentation, elle témoigne d'une radicalisation, d'une auto-assignation. D'ailleurs, le vécu du sujet, il vaut alors comme une justification de la demande que le sujet va adresser au social dans une tentative de se réengendrer. Donc, je vous signale ça comme, bien sûr,
le paradigme de la mutation de nos sociétés sous le primat d'une autoréférence narcissique et du vertige que ça entraîne. Je vais venir du côté du groupe professionnel, de la question de la limite et de la question du besoin de l'autre. Voilà, donc c'est dans ce contexte que c'est un contexte d'un sujet qui est surexposé à la tentation phallique narcissique. Donc nous sommes tous avec la tentation d'être étouffés par notre nombril. Une expression d'un écrivain mozambicain, Miyakuto, que j'aime beaucoup. Et ceci à hauteur des fragilités identitaires que nous avons désormais. C'est à partir d'un tel contexte, d'une surexposition et d'une fragilité identitaire qu'on a désormais à penser les mises en groupe. C'est en effet à partir du travail de la limite, de la sortie d'une position toute, qu'il est possible de penser un socle minimum du vivre ensemble et spécifiquement du travail d'équipe. Dans un travail groupal, chacun des sujets se doit de partager sa limite, c'est-à-dire de partager son impossibilité à être un professionnel qui soit même de solutionner et d'accompagner toutes les situations. Vous voyez, à contrario, lorsque dans les équipes, l'un ou l'autre des sujets se met en place d'omnipotence, il menace la groupalité et cela peut conduire à la destruction des collectifs de travail. Et ça, d'autant plus facilement que les dérives procédurales ne tolèrent pas ou ne tolèrent plus de ne pas savoir y faire, de ne pas savoir y faire dans le lien, et ne supportent pas de mettre en place du creux, c'est-à-dire ne supportent pas de mettre en place du féminin de liaison. Un mot autour d'institutions en tant que scène psychique et politique. Au travers des institutions, nous avons affaire à des processus instituants. Ces structures, les institutions, elles produisent des sujets institués, on le disait tout à l'heure, et donc des assignations de place, de rôle, de fonction. Une institution, ça institue du sujet. Et vous voyez que l'institution, on peut dire l'institution de la famille, l'institution de l'État, et institution, ces établissements où nous travaillons et qui contribuent à nourrir. Donc vous voyez que ces assignations, elles contribuent à nourrir l'identité des professionnels en leur permettant d'y jouer leurs identifications professionnelles, ça c'est pour les professionnels, et au niveau des différents usagers, en les accueillant et en travaillant au remaniement de leur part psychique en souffrance d'adresse. Pour tout sujet, c'est sa reconnaissance par l'autre, par le miroir de l'autre, qui est la source d'identification. Donc, être ensemble permet les jeux identificatoires. Dans la construction de sa position de professionnel, chacun des sujets doit procéder à une double validation. Il doit valider le fait que le groupe des pairs de ses collègues le garantit d'une place et que cette place est une place parmi d'autres. Elle est donc soumise à la loi et dans le même temps, le sujet veut être assuré que sa place est tout à fait singulière et spécifique. Il doit simultanément valider le fait que les collègues en poste, notamment en poste de responsable, sont en position de représentant et donc de garant qu'il y a une différence. Ceci au bénéfice du groupe. C'est une telle attribution qui préserve chacun d'une tentation d'omnipotence, celle qui, dans le fantasme, permet d'occuper toutes les places au risque d'une confusion incestueuse et mortifère et d'une mise en faillite de la subjectivité. Vous voyez, dans les conférences chez les psychanalystes, c'est toujours de bon ton de citer Freud. Donc, je vais citer Freud. En las conferencias de los psicoanalistas, siempre queda bien citar a Freud. Por lo tanto, vamos a citar a Freud. Donc, en 1930, donc malaise dans la culture, Freud a magistralement énoncé l'indispensable, vous voyez, des pactes et des contrats. Et il a parlé à cet endroit de quoi ? De renoncement pulsionnel. Il nous dit que c'est le renoncement pulsionnel qui garantit la Kulturarbeit, le travail de culture, et que ça n'est rien d'autre que la manière de désigner un troc au cours duquel les hommes échangent une satisfaction, donc ça c'est Freud dans le texte, les hommes échangent une satisfaction pulsionnelle immédiate contre la sécurité dans le lien, c'est-à-dire une position hors d'un tout, qu'on peut dire un tout phallique, où s'indique une liaison, où s'indique du fraternel, où s'indique du féminin.
seul, vous voyez, la sortie d'un tout phallique rend possible la construction d'un espace de confiance, c'est-à-dire d'un espace de repos. Tout sujet dans l'émergence de sa subjectivité, dans son appropriation du monde, il a besoin d'être assuré d'un fond sur lequel il va pouvoir s'adosser. Et le partage d'un socle de vérité, c'est la condition de la constitution du sujet. Le troc dont nous parle Freud, il inclut donc une composante identificatoire et identitaire, celle qui se met en œuvre au travers des affiliations et des appartenances. Les institutions qui travaillent à inscrire les sujets dans une socialisation tempérée, le travail social, le soin, etc., elles sont frappées de plein fouet par les dérégulations, par les restructurations, par les transformations des règles du jeu qu'elles instaurent. On est dans un moment où l'inflation sécuritaire soumet ces institutions à une multiplicité des procédures et des contrôles. Je pourrais citer des collègues, mais je ne vous vois pas. Ceci sous le couvert d'une exigence de transparence. C'est Jean-Pierre Pinel qui nous a proposé de regarder les choses comme ça. Les responsabilités de chacun des acteurs sociaux doivent être clarifiées dans cette modalité de travail afin qu'on parvienne à une traçabilité sans faille, vous voyez, comme pour tous les produits, dans une société qui serait d'une société sans risque. Une telle exigence, elle détruit les rapports de confiance qui avaient cours précédemment, qui auparavant étaient construits entre le social, les tutelles et les institutions qui s'occupent, donc le travail social, le médical, etc. Elle attaque les configurations groupales, elle détruit l'intermédiaire, elle détruit ce registre articulaire qui est indispensable aux régulations sociales, tout autant qu'il est indispensable à la conflictualité psychique. Les rivalités, elles ne trouvent plus de scène où se jouer dans une scénarisation qui permettrait de les tempérer. L'omnipotence et la violence prédatrice sont alors mises en chauffe. L'ensemble de ces composantes, elles libèrent l'hybris et elles poussent le sujet à la démesure narcissique. Il en résulte que la rivalité meurtrière peut se donner libre cours et entraîner une dérégulation de la prédation. Ceci conduit à une inflation de la suspicion. Chacun de nous devient suspect à partir de la destruction des liens de confiance. Le don de confiance, c'est le paradigme du don. Et le sujet n'a pas d'autre manière de faire, il n'a pas d'autre voie que celle de donner ou de refuser sa confiance à l'autre. Une telle hypertrophie narcissique menace les appartenances collectives. Elle affaiblit l'acceptation de l'effort qui est requis de la part de chacun de nous pour investir autrui. L'utilitarisme et la logique gestionnaire qu'il met en œuvre s'opposent à la sociabilité primaire, détruisent ces liens fondateurs de l'humanité de l'homme qui sont caractérisés par le don, don de reconnaissance, don de confiance, don de présence. Donc, je viens de souligner comment le contexte social actuel il potentialise les dynamiques de prédation et de rivalité meurtrière. Vous voyez, ce sont de vieux démons avec lesquels chacun de nous, nous devons composer dans notre travail d'humanisation. Face à cette menace, il est important de se rendre attentif à la manière dont les groupes professionnels construisent des liens suffisamment sécurs, des liens qui procèdent d'un travail d'inclusion où se conjugue précisément une conflictualité vivifiante, c'est-à-dire un mouvement simultané d'unification et de différenciation. Pour que la rivalité transite d'un registre mortifère, là où elle s'enracine à l'archaïque, dans les mouvements d'omnipotence qui sont tapis dans l'archaïque, pour qu'elle transite de ce registre mortifère dans ce registre de rivalité tempérée, qui est caractérisé par une compétition et une émulation dynamique, et la mise en place d'une conflictualité, donc d'un accord. La conflictualité, je vous rappelle, c'est un accord sur nos désaccords, sur le fait qu'on est en désaccord. Il y faut un double nouage. Il faut nouer le narcissisme de chacun, le narcissisme groupal dans les équipes, selon les axes diachroniques et synchroniques, c'est-à-dire l'histoire et l'expérience qui s'y est construite et les configurations relationnelles d'un moment. Donc, il y a ce nouage-là, qui est un nouage indispensable, et un deuxième nouage, qui est le nouage du narcissisme groupal,
à une créativité qui prenne pour matériau sa centration sur la négativité qui caractérise les symptômes dont s'occupe l'institution. C'est en effet la créativité qui est développée à l'endroit d'un trouble singulier dont l'institution a choisi de s'occuper, qui spécifie un groupe, qui spécifie une équipe et qui fait la notoriété, la reconnaissance d'une institution ou d'un service. C'est-à-dire, on sait que tel service prend très bien en charge tel type de patient, etc. Vemos que aquel servicio cuida muy bien o atiende muy bien a sus pacientes, a los que toma a cargo de su tratamiento. Donc c'est au travers d'un tel processus qu'un groupe institué reconduit ce travail de culture, donc la culture Arbeit, c'est-à-dire propose à chacun de renoncer à l'omnipotence en échange de la puissance de transformation et de la puissance de créativité d'un groupe. Oui, si, comme Jean-Claude Rouchil nous l'a proposé, le groupe est bien cet échelon articulaire entre le sujet et le socius, les groupes professionnels y constituent pour tout sujet une groupalité obligée. Les équipes professionnelles sont ainsi un des maillons intermédiaires où se fabrique de l'être ensemble. Elles sont autant d'espaces où la rivalité phallique et narcissique peut trouver à se conjuguer avec des positions de co-étayage, et elle peut trouver à se mettre au service du narcissisme groupal en se mettant de façon créative au service des usagers. Les sujets peuvent alors passer, donc les professionnels peuvent alors passer d'une groupalité obligée à une groupalité consentie. Si les dynamiques de rivalité ne sauraient être éludées, on ne peut pas se passer des dynamiques de rivalité, on peut par contre se rendre attentif aux scènes qu'une institution va mettre en place pour que la conflictualité puisse se développer, c'est-à-dire interroger l'existence, et l'utilisation des espaces et des lieux où chacun des sujets va pouvoir remettre en scène ces dynamiques intrasubjectives dans leur nuage intersubjectif et y tisser son ambivalence. Donc, je fais référence ici aux espaces autoréflexifs identifiant que sont les groupes cliniques, les groupes d'analyse de pratique, la supervision, les espaces de formation, les espaces de réflexion sur le projet, etc. Le travail psychique qui incombe au groupe professionnel consiste à unifier ce qui n'en finit pas de se délier, ce qui n'en finit pas de s'éroder, de se morceler, de se désidentifier. Ces identifications, elles sont potentialisées par les charges d'affect qui transitent à partir des usagers et procèdent en outre d'un refus des identifications fraternelles et sororales. Faire équipe, a contrario, ça suppose cette reconnaissance d'une parité. Le registre d'Hippien, il doit simultanément trouver à s'incarner pour que l'unification possible soit marquée du sceau de la différence et qu'il y ait ou existe une deuxième barrière de protection face au chaos confusionnant que l'archaïque du symptôme n'en finit pas de présentifier. Et vous voyez que c'est d'être assuré de sa différence et de ses liens de co-étayage. C'est à partir de là que chaque professionnel peut alors se prêter aux usagers, c'est-à-dire faire œuvre d'un féminin d'accueil et s'investir dans le lien. Il s'agit là, à mon sens, de la seule modalité qui est à même de produire du soin, de produire de l'accompagnement, de produire de l'apprentissage, etc. Je vous remercie pour votre attention. Muchas gracias, George, por la presentación. Tenemos un espacio para hacer un intercambio. Si ustedes tienen preguntas, comentarios, reflexiones, levanten la mano, yo me acerco con el micrófono. O desacuerdos. Perfecto. Una conflictualidad. S'il n'y a pas de questions, c'est tout de suite très inquiétant pour le conférencier. Si no hay preguntas, es muy inquietante para el conferencista. Así que no se entendió. No lo quería comentar. Es que esta conferencia es como un broche a un resumen y una continuación de todo lo que trabajamos en los dos seminarios, en el seminario
de ayer de mañana, de ayer de tarde y de hoy de mañana, porque muchas de las preguntas, de las incertidumbres quedan en esta conferencia como más claras y más expresadas conceptualmente, me pareció. Bueno, pero quiere que vengan las preguntas. Yo puedo empezar. Fue muy esclarecedor la teorización sobre el trabajo del equipo para una experiencia que tenemos acá en facultad con el profesor Michel de Barbure. Nosotros trabajamos con una investigación sobre el femicidio y el impacto en la trayectoria de vida de los hijos. Y para eso tenemos, acá en el CICP, tenemos un grupo interdisciplinario, trabajamos con abogadas, con asistentes, trabajadoras sociales, y hemos escuchado las historias de muchas personas, que han perdido una mujer a manos de una pareja o una expareja. Entonces yo me quedé pensando en esta doble protección vos terminabas, ¿no? Para mí hizo mucho sentido, no sé, Michelle, cómo lo viste, pero ante tanto dolor, un terror innombrable, ¿no? El grupo de investigación funciona como un espacio de metabolización, como una segunda, una piel para amortiguar el impacto del contacto con estas realidades, ¿no? Y bien, y ahí la pregunta en realidad que me queda resonando es algunas inquietudes que nosotros todavía no hemos logrado comprender de este fenómeno y que son importantes en las etapas siguientes de la investigación que se refieren a un modelo, a un dispositivo de atención a los hijos, a los niños, ¿no? Cuestiones como, por ejemplo, menos de un cuarto, un 25% de las mujeres han hecho denuncias por por violencia. Menos de un cuarto, 25%. Que han fait des denuncias sur la situación de violencia. Es que yo creo que es de 25%. De la femme en faire de denonce à la police pour situation de violence avant le femicide, oui. Y luego del hecho, también es muy frecuente que el hombre se suicide también, ¿no? Entonces, genera a los niños esta situación. Nosotros usamos el concepto de doble orfandad. Son huérfanos de madre, pero también de padre, que aunque no se haya suicidado, nosotros entendemos que del punto de vista psíquico ha renunciado a su lugar de masculino, para usar un poco las definiciones que vos usas. No sé, me gustaría plantear esto como una pregunta, como qué consideraciones se podría plantear en torno a eso.
Tu peux faire prendre deux questions ou une seule? Oui, s'il y a d'autres questions, on peut aussi voir. Si vous avez une question, ou sinon, intercalons avec les réponses. Sinon, on risque de rester comme ça. Oui, d'accord. Passe à Dorothée. Bon, je ne sais pas si ça va vous aider à oser penser tout haut ce qui se passe dans vos têtes. Si va usar si podemos pensar todos lo que pasa en la cabeza. Et parce que vous voyez, la situation présentée par Daniel est immédiatement une situation qui est elle peut potentiellement nous sidérer. Porque la situación que presenta Daniel puede ser una situación auxiliar. Il peut nous sidérer. Nous interdire de penser. Il produit pour chaque. Sí, es una situación que nos podría dejar sin la capacidad de pensar. ¿No? C'est-à-dire que Daniel propone siderante. Il nous parle, moi j'ai essayé de le faire de façon globale, mais il nous parle très précisément, vous voyez, il nous tire du côté de sa clinique, qui est une clinique où des maris tuent des femmes, des hommes tuent des femmes, et il nous demande, enfin, il essaie de continuer à penser de quelle manière accompagner des enfants qui sont pris, vous disiez d'ailleurs, votre expression c'était... un innommable, de l'impensable. Bueno, él nos habla muy simplemente de esta situación clínica en la cual un hombre, un marido, mata a su mujer, eventualmente también se mata a él, y deja a los niños en esta situación que es parte de lo impensable. Oye, on est bien là sur des... ce qui vient nous effracter chacun de nous dans la nécessité dans laquelle nous sommes de nous considérer comme des non tuables. Es una cosa que nos cuestiona a nosotros mismos en el sentido de si nosotros también estamos en el rango de si somos los que no se pueden matar, de no tuables, que no se pueden matar. Oh non. Vous voyez que donc on est bien là sur des fondamentaux qui viennent. Et la question avec ces enfants, c'est bien ça. Comment vous allez travailler avec eux à restaurer quelque chose d'un sentiment qu'ils ne sont pas eux-mêmes soumis à une menace constante de meurtre. Comment podemos trabajar en esta dimensión en la cual ils ne sont pas eux-mêmes, ils seraient garantis que la vie n'est pas en permanence menacée par une autre. Ahí está. Cuando no les podemos garantir que la vida está permanentemente amenazada por nosotros. Bon, ça c'est votre clinique, donc je serais intéressé de vous entendre sur comment vous allez restaurer quelque chose du côté d'une confiance dans la vie et donc une confiance dans l'autre. Je les preguntaría a ustedes cómo harían para restaurar la confianza en el otro y la confianza en la vida. Parce que vous voyez que, alors, bien entendu, on pourrait aller chercher cette équivalence entre être reconnu, c'est être reconnu comme vivant. Podríamos ir a buscar referencias de este lado de lo que llamamos como lo vivo, lo vivant. Or, lo que está vivo. Ces enfants, ils ont été effectivement pris dans un registre où la vie n'est pas garantie. Estos chicos han quedado en un registro en el cual la vida no está garantida. Donc, le travail, c'est bien de restaurer quelque chose de ça, à minima. ¿Cómo podríamos restaurar esto? Y cómo podríamos hacerlo aunque sea a mínimo.
Mais ça nous entraînerait à avoir une relation. Donc, peut-être essayer de... Él dijo, ¿cómo podríamos hacer para restaurar en estos chicos la confianza cuando han vivido esta situación? Restaurar, aunque sea la confianza a mínimo. Él no sabe cómo el equipo podría trabajar para conseguir esto de parte de los niños que han sido atravesados por esta situación. Parce que vous voyez qu'il n'y a pas de travail d'appropriation subjective possible si ma vie ne m'appartient pas et si je suis toujours soumis au fantasme que l'autre va pouvoir me tuer. No puede haber un trabajo de subjetivación posible si yo no estoy garantido de que mi vida no tengo la garantía de que mi vida es segura y no que mi vida está en riesgo. Si ma vie n'est pas à moi, si c'est l'autre qui en est dépositaire, puisqu'à tout moment il peut me tuer, alors comment je vais pouvoir habiter, éprouver et m'approprier si ma vie, mon corps, etc. Si ma vie ne me pertenece, sino que mi vida está en función de lo que pueda hacer el otro, entonces cómo yo voy a poder constituirme, identificarme cuando está esa situación de incertidumbre. Il y a des apartés, en principe, des apartés, c'est déjà un partage de réflexion. Donc, ça peut peut-être revenir ici. Il dit qu'ils pourraient faire, qu'ils sont pensant et pourraient compartir cette réflexion. Bueno, en realidad, yo trabajando en un lugar, o sea, en el Centro Nacional de Quemados, por lo tanto, tengo que trabajar con situaciones, con mujeres que pasan por esa violencia. Y bueno, y cada situación es como el desafío de uno de lo inimaginable, o sea, es lo impensable, todo el daño, ¿no? O sea, que en cada situación hay como, bueno, ni que hablar si hay niños. Cuanto más corta la edad, como que pienso el daño es mayor también. Y bueno, me parece que es como un trabajo para equipos, que la realidad muestra también la superación, ¿no? Cómo la pulsión de vida aparece desde las nuevas identificaciones de otros referentes que van haciendo de a poquito que se pueda recuperar esa confianza en la vida, ¿no? Mais ce que vous dites, c'est un témoignage, il n'y a pas de question, c'est juste qu'on partage effectivement. Y él comparte lo que tú has dicho, que no es una opinión, sino que es un testimonio de un trabajo que ustedes realizan. Yo quería recordar una pequeña situación clínica de un adolescente que van en su familia en el coche, padre, madre y hermana, y mueren
tres, el padre, la madre y el hermano, la hermana. Bueno, y la chiquilina, la adolescente, no quiere vivir, quiere morir. Para ella hubiera sido mucho mejor morirse que vivir. Y fue una situación muy difícil, porque si bien había unos tíos que se hacían cargo de ella, la relación era una relación muy difícil de construir, más allá de que había unas figuras dispuestas a ser sustitutos. On évoquait ce matin dans l'atelier ce rituel extrêmement important autour des disparus. Et vous voyez que, pardon. Évoquamos, hablamos hoy de mañana en el seminario, este ritual, esta ceremonia que realizamos acá todos los años en torno a los desaparecidos. Et je repense à ça quand Dora, tu nous parles de ta vignette clinique, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a plus d'horizon de vie ou au contraire, est-ce que le sujet va être porteur de l'autre, c'est-à-dire est-ce qu'il va accepter d'héberger les absents. Esto que él lo relaciona con esta pequeña viñeta que compartí, que el individuo, ¿cómo va a ser este individuo portador de vida cuando lleva en sí toda la carga de las ausencias? Relacionándolo con los familiares de los desaparecidos. C'est effectivement, pour venir du côté de la vie, cet enfant qui a perdu donc son père, sa mère et sa sœur, je pense que c'est ça, il va bien falloir qu'il soit le témoin de cette catastrophe. Et que son identité, à ce moment-là, c'est une identité de témoin. C'est-à-dire, oui, la vie perdure malgré tout, et c'est la même question pour tout sujet qui a vécu dans ces positions-là. C'est-à-dire, est-ce que effectivement, cette destruction va le tuer ou est-ce qu'effectivement, il va pouvoir l'héberger en lui au prix d'une souffrance peut-être absolument inouïe, mais faire exister l'absent. Bueno, la situación de que esta chiquilina lleva en sí es testimonio de toda esta pérdida, de toda esta muerte. Entonces, va a poder en esta situación metabolizar o alojar en ella todo esto de la desaparición o efectivamente va a querer morir. Ce que je désigne comme la polarité d'un féminin de liaison, c'est ça, un féminin d'accueil, c'est-à-dire la capacité à accueillir en soi l'intolérable, l'insupportable, l'innommable, etc., etc. Oui, mais il faut bien à un moment donné que ça trouve un lieu. Et le lieu, il n'y a pas d'autre lieu que ce que le sujet va accepter d'en faire. Bueno, esto le permite explicar un poquito el concepto de lo femenino de acogida. Es decir, si somos capaces de soportar y de metabolizar o de integrar en nosotros todo esto que hemos vivido y, bueno, a lo mejor dijo algo más, pero lo que ça suppose effectivement qu'il y ait des lieux de métabolisation, qu'il y ait des appartenances, ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y ait des enveloppes et un groupe de recherche, c'est-à-dire qu'il y ait une équipe de travail qui accueille, oui, mais aussi un groupe d'enfants, etc., etc., que les enveloppes soient plurielles de manière à ce que des peaux se reconstituent par lien plus de brûlures. Enfin, on est du côté effectivement de la capacité à restaurer quelque chose, une peau. Es un poquito también lo que decía Silvia, ¿no? La capacidad de restaurar un espacio o un lugar o lugares donde uno puede sentirse recibido, como él dice, de envolturas que nos vuelvan a restaurar ese sentimiento de poder contar con algo para seguir viviendo. Y si es posible integrar todo eso en nosotros, me hace pensar también en la historia de Magdalena Hellman. Magdalena es la hija de los Hellman, Macarena Hellman, la situación esa que queda sin los dos padres. Yo creo que hay más de una situación de chicos que perdieron los dos padres. Sí, pero espera. Sin Mariana Zaffaroni, la madre. Ahí está.
y también este el hijo de Alicia y Simón también fallecieron, fueron asesinados los dos padres. Nos remitimos a situaciones de los desaparecidos que por muchas que ambos padres fueron asesinados. Dans les situations d'assassinat, au moins, on peut projeter le négatif sur le bourreau et le voilà. Oui. En la situación de los asesinatos, podemos proyectar la violencia en este el estado, la situación que los produjo, ¿no? Dans la situation que Daniel évoquait. Il n'y a pas cette possibilité d'extérioriser. En la situación del trabajo que están haciendo acá en la facultad, no es posible utilizar ese lugar de proyección. C'est ce que vous énonciez du côté de il perd sa mère, enfin l'enfant perd sa mère et perd son père. C'est-à-dire il y a plus d'instance extérieure. Le père en tant qu'instance est détruit. Et donc la question du travail est tout à fait vertigineuse, de savoir comment restaurer quelque chose ou permettre à l'enfant de restaurer quelque chose de vivant dans ces situations-là. Les situations de violence d'État, on a encore la possibilité d'exporter la violence, donc de lui donner un site. D'encontrer un culpable, pero en este caso, o un responsable, pero en este caso, cuando el padre mata a la madre y después se mata a él, es muy difícil esa violencia proyectarla en otro lado. Porque queda fija dentro de la situación de los padres. On peut imaginer que vous explorez les ressources familiales de est-ce qu'il y a des oncles, des tantes, des grands-pères. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a encore du lien dans lequel cet enfant va pouvoir trouver une autre place dans la famille, c'est-à-dire que ne disparaît pas l'idée même de la famille, c'est-à-dire l'idée même d'un lieu d'appartenance. Se puede reparar algo por el lado de los abuelos, pero no es lo mismo. Además, los abuelos están igualmente afectados por la situación que vivieron, que también es difícil como tomar al niño con todo lo que el niño necesita, digamos, de dedicación amorosa, tranquila, es un drama, pero también es un drama social, porque toda la sociedad, cuando pasan estos avisos por la televisión, todo el mundo, hasta los niños, dicen, ¡ay, qué horrible!, ¿no? Cuando el padre mata a la madre, porque lamentablemente los pasan en los noticiosos, en los horarios que todavía los chicos están mirando televisión, todos quedamos impresionados y aparecen las señoras del noticiero todas vestidas de negro. ¿Hay algo de cosas que estén pensando? Que nos compartan algo de reflexión. Sí, adelante. Ella es compañera del grupo de estudio. Lo de las pertenencias. El grupo de estudio Gallarca es. Yo trabajo con mujeres víctimas de violencia en los sistemas de salud, de estado de salud de acá en Buenos Aires. Trabajamos en forma grupal con estas mujeres que son derivadas por o su médico tratante o muchas veces por la justicia también o por psiquiatras. Y a la pregunta o a esto de cómo hacemos para, cómo acompañamos el proceso de reconstrucción de estas mujeres, ¿no? Y en estos procesos de subjetivas, de nuevas subjetivaciones, ¿no? En realidad me parece que se van acompañando entre ellas a nivel grupal. Y es eso lo que en definitiva la rescata. Nosotros estamos ahí, o sea, nosotros, yo, ¿no? En mi caso, pero creo que
los profesionales como, como articuladores acompañando el proceso, pero en realidad es en ese grupo donde entre sí se van como, como resignificando y rescatando. Y eso en relación a situaciones clínicas, digamos. Y en relación a lo que se venía hablando, y es recurrente, porque es una llaga en nuestra historia, lo del 20 de mayo y la marcha, y qué sé yo, me parece que hay un fenómeno también que, social, que tiene que ver capaz que con algún concepto de ley, pero que no me acuerdo mucho, así que no sé, que es una frase que se acuñó acá, allá, que acuñaron la organización de madres y familiares de detenidos desaparecidos, que es, la organización de familiares de desaparecidos uruguayos se llama Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Madres y familiares de detenidos desaparecidos. Esa es una institución que nuclea a los familiares, creada hace desde siempre, que es el 84. 40 años. Sí, claro. Bien. Se acuña hace algunos años, no me acuerdo cuándo, una frase que es todos somos familiares. Y eso me parece que es un fenómeno que nos ha subjetivado a nosotros como cultura. Porque las madres y familiares eran ellos, eran, tenían su organización, eran ellos, digamos, ¿no? Sentí la organización de familia. Ella es la organización de madres. ¿Está? Sí. ¿Sí? Bien. A partir de ahí, se fue creando en todo, en gran parte de la sociedad uruguaya, que los desaparecidos son de todos y que somos todos familiares. Esto que hoy de mañana se planteaba, que cualquiera agarra el cartel con la foto, ¿no? Antes iba el familiar con la foto del detenido. Hoy por hoy se repiten, hay más de una foto de cada uno, entonces es como estos procesos de subjetivación, me parece a mí, y que en definitiva son los que nos van rescatando y reconstruyendo estos fenómenos históricos o personales. O... El espíritu de tribu, lo que le pasa a uno, nos pasa a todos. Oui, mais ne minimisez pas trop quand même le rôle que vous avez dans cette affaire-là. Vous dites le travail, c'est les femmes qui le font entre elles. Mais elles ne le font que parce qu'effectivement, vous êtes garant que le travail puisse s'accomplir. Dice que no minimicemos el trabajo, que el rol que cumplimos todos nosotros en eso, que nosotros o la sociedad o todos somos el garante del trabajo que ellos llevaron adelante o llevan adelante. Es decir, que está respaldado por todos, todos los que somos sensibles. Y también hay algo que muchas veces aparece, si no sos sensible a la muerte y desaparición de una persona, ¿a qué sos sensible? ¿No? Je suis effectivement très impressionné par ce rituel que vous avez mis en place au niveau de l'Uruguay. Está muy impresionado por este ritual que nosotros hemos logrado materializar aquí en Uruguay. C'est-à-dire, vous voyez, une manière de restaurer l'appartenance à l'espèce humaine. Es una manera de restaurar la pertenencia a la raza humana, a la especie humana. Especie. Sí. Y es maravilloso, ya decían hoy, o ayer, no sé, ayer de tarde o hoy de mañana, que se habló de esto también, cómo las nuevas generaciones están sosteniendo esta marcha también. Y hubo un conflicto durante la pandemia que no nos dejaban hacer la marcha, no se dejaba hacer la marcha. Entonces les parecía que no iba a haber manifestación. A la mañana de ese día apareció toda la avenida 18 de julio con pies dibujados que representaban el lugar de cada uno en la marcha. Fue realmente, ¿verdad?, emocionante ver cómo igual estaba presente la marcha en esas fechas
que ellos estaban seguros de que no íbamos a poder hacerlo. Y dice que es un lindo testimonio para terminar, que siempre quedan nuestras huellas. Aunque no estemos, quedan nuestras huellas. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos a saludarnos a todos ahora.